10h02, bonjour à toutes et tous. Christophe Guinche va ouvrir ce cycle des rendez-vous régionaux en travail social. Bonjour à toutes et à tous, je suis très honoré de vous accueillir aujourd'hui pour l'ouverture de ce nouveau rendez-vous du travail social en Bretagne. Alors, ces rendez-vous régionaux s'inscrivent comme un des trois piliers en fait, sur lesquels repose l'action du CRTS de Bretagne, qui sont issus d'ailleurs de son projet stratégique, renouvelé en 2020, et je vous invite à consulter sur le site du CRTS. Les deux autres piliers de ce projet stratégique étant les saisines et les forums. Donc, ces rendez-vous régionaux du travail social sont développés et animés dans le cadre du partenariat entre le CRTS de Bretagne et la plateforme Unaforis Bretagne, avec la volonté de rassembler l'ensemble des acteurs investis dans le travail social en Bretagne. Avec ce webinaire, nous inaugurons aujourd'hui un nouveau cycle de la saison 2022-2023 de ces rendez-vous régionaux qui s'attacheront comme fil rouge à étudier en fait la place et le rôle des travailleurs sociaux et les valeurs à l'œuvre au service du vivre ensemble. Alors pourquoi ce fil rouge ? Vous le savez, hein, les difficultés de recrutement, la baisse d'attractivité qui se ressentent à l'entrée des formations, l'évaporation aussi active de professionnels qui sont démobilisés, là, en recherche de sens, sont autant de signes d'un manque de reconnaissance que la pandémie du Covid a rendu encore plus visible. Le phénomène touche désormais la plupart des secteurs et pas seulement le travail social. Il s'issue d'une inquiétude croissante parmi toutes les personnes concernées. Il vient de donner lieu à un certain nombre de travaux, hein, comme le livre vert du Haut Conseil du Travail Social, le rapport aussi de Denis Piveteau sur les métiers de l'accompagnement social et du médico-social, le rapport et les avis du Conseil économique, social et environnemental sur les métiers de la cohésion sociale. Ces écrits ouvrent déjà des pistes de réflexion, ils en annoncent d'autres, dont l'élaboration d'un livre blanc avec des réflexions et des propositions attendues du terrain pour répondre aux enjeux actuels pour le travail social. Ce livre blanc en fait, devrait comporter des propositions concrètes. Dans ce contexte pourtant complexe, il est à souligner aussi que les capacités des travailleurs sociaux à s'adapter et à construire de nouvelles pratiques avec et au service des personnes accueillies, soutenues, accompagnées. Et ces préoccupations et les travaux du CRTS de Bretagne, les rendez-vous du travail social, rendez-vous régionaux du travail social, finalement illustrent en fait cette dynamique en action et poursuivent la réflexion et l'illustration du rôle capital que jouent les travailleurs sociaux dans le vivre ensemble. Ainsi, dans le cadre des rendez-vous du travail social, trois webinaires de 2 heures vous sont donc proposés d'ici juin 2023. Donc, tout d'abord avec ce premier webinaire d'ouverture intitulé « Quels travailleurs sociaux pour le vivre ensemble aujourd'hui et préparer demain ?» Suivront 2 autres dates, le vendredi 10 mars 2023 avec un webinaire intitulé « L'aller vers dans l'accompagnement social, une certaine éthique du vivre ensemble ». Et enfin, le vendredi 9 juin 2023, un webinaire intitulé « Le développement du pouvoir d'agir des personnes accompagnées, enjeux pour le travail social ». Ces 3 temps de réflexion et d'échange articuleront à la fois des apports conceptuels, pratiques et pédagogiques afin de servir les participants et participantes que vous représentez aujourd'hui. Bon webinaire, je laisse la place aux intervenants que je remercie chaleureusement pour leur implication. Merci. Merci à vous, Christophe Guinche, donc président du Conseil régional en travail social. Nous avons le plaisir aujourd'hui pour ce webinaire introductif du cycle des rendez-vous en travail social d'accueillir Marcel Gégère. Marcel, vous êtes président de l'Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale, Unaforis. Vous êtes professeur émérite de la chaire du travail social au CNAM et vous êtes docteur en sociologie. Vous êtes plein d'autres choses, mais en tous les cas, vous êtes quelqu'un que nous avions vraiment envie d'entendre, avec qui nous avions envie d'échanger
Pour ce webinaire, donc, quel sens du travail social aujourd'hui et pour demain? Alors, vous avez 2 heures, nous avons 2 heures. Je ne sais pas si en 2 heures, nous ferons le tour de la question, mais en tous les cas, nous en ferons un certain tour, avec 2 temps proposés pour ce webinaire. Un premier temps on va dire 35 minutes à peu près, on va essayer de respecter le timing, où vous allez nous permettre en fait d'analyser les facteurs de compréhension du contexte actuel. On va commencer par cela en fait, hein. L'analyse commence par un diagnostic, ça peut être intéressant de bien comprendre avec quels éléments nous avons entre les mains et en jeu dans le contexte actuel. Puis, nous laisserons place, en fait, aux participants pour prendre en compte, Pascal et moi, vos questions, vos remarques que nous essaierons de traduire le mieux possible et donc de vous soumettre. Et puis, une seconde partie où vous nous inviterez à interroger les leviers possibles pour, je reprends votre expression, réenchanter le travail social. Voilà, donc un vaste programme aussi. Mais déjà, vous pourrez nous donner quelques pistes de réflexion. Et pareil, de la même manière, ce deuxième temps sera également suivi d'un second temps d'échange à partir de vos questions, de vos remarques, vous participants. Alors, vous êtes nombreux aujourd'hui, près de 300 à être présents, puisque nous accueillons bien évidemment les professionnels du secteur, professionnels intervenants sociaux, encadrants, directeurs d'établissement. Nous accueillons également des personnes concernées, des personnes accompagnées. Et c'est très bien, donc n'hésitez pas aussi à faire part de vos remarques et de vos questions en utilisant l'espace discussion hein, que vous pouvez voir en bas de votre écran ou l'espace questions-réponses également à votre disposition. Et puis, nous accueillons bien évidemment chaleureusement les étudiants en travail social, les futurs intervenants sociaux, accompagnateurs qui sont nombreux aujourd'hui puisque nous avons les assistants sociaux et les éducateurs spécialisés troisième année à l'ITES. Nous avons les assistants sociaux avec Cécile à Lorient et nous avons les éducateurs spécialisés à Rennes avec Céline Goujon. Voilà pour cette partie, je ne vais pas prendre plus de temps. Je vous laisse la parole, Marcel. Merci beaucoup d'être là et bonne conférence à tous. Merci, c'est moi qui vous remercie. D'abord, je voudrais souligner cette initiative et le travail qui est fait par le CRTS, qui est souvent d'ailleurs et à juste titre donné en modèle. Parce qu'en fait, on ne peut pas développer une réflexion dans le cadre du Haut Conseil du Travail Social si on ne s'appuie pas aussi sur les régions. Ça, c'est le premier élément. Puis d'autre part, je trouve que c'est une très bonne initiative aussi de développer ce type de débat que nous allons avoir pour les étudiants, puisque, comme l'indique le titre, il s'agit de s'interroger sur le sens du travail social aujourd'hui et pour demain, et là, le rôle des étudiants est absolument central. Juste pour déjà faire deux remarques concernant le titre, d'abord, j'insiste sur le fait que quand on utilise un point d'interrogation, c'est pour dire que finalement, les réponses ne sont pas si évidentes que ça, et qu'il y a un débat, il peut même y avoir des désaccords dans le monde du travail social, comme dans d'autres domaine d'activité, ça fait partie des fonctionnements démocratiques de mettre en débat les analyses que l'on peut avoir. Et puis la deuxième réflexion, c'est que formuler l'intitulé de cette façon-là, c'est inscrire la question du travail social
dans une histoire. Alors, rassurez-vous, je vais pas revenir sur le passé, mais on peut quand même se dire que le sens du travail social, c'est aujourd'hui, c'est demain, mais c'est aussi quel est le sens initial et comment les choses ont évolué. Parce qu'en fait, l'inscription dans l'histoire, elle permet peut-être d'éclairer un certain nombre de questions qui font que le travail social évolue aussi en fonction d'un contexte, un contexte social, politique, économique, et que du coup, la façon de poser le problème du sens aujourd'hui probablement est un peu différente de la façon dont ça se posait, ou du moins, c'est une des questions que l'on peut se poser, c'est de savoir s'il y a une permanence de cette question du sens du travail social ou s'il y a des effets de rupture auxquels on est confronté. Comme on dit, pourquoi se pose-t-on aujourd'hui la question? Qu'est-ce qui se passe de particulier et qui explique, comme vous le savez, la concentration sur un temps relativement court, pratiquement de 6 mois, d'un certain nombre de rapports, que ce soit le livre vert du Haut Conseil du Travail Social, le rapport Pictou, enfin, le rapport du Conseil économique, social et environnemental. Donc, il y a une espèce de focalisation aujourd'hui très intéressante sur ce qu'est le travail social. Alors, je voulais d'abord, si ça voulait bien marcher, parce que j'ai l'impression que mon diaporama, il n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Alors, parce que j'ai prévu. C'est assez bizarre ça. Si j'arrête le partage, excusez-moi, mais on avait vérifié cette affaire, mais j'aimerais bien que le partage fonctionne. Le partage voilà. Fonctionne et voilà, votre deuxième diapo. Alors d'abord, pour dire qu'il y a un double besoin. Il y a un besoin de compréhension de la situation actuelle du travail social. Je dirais c'est l'état des lieux. Et comme vous le savez, c'était l'objet du livre vert du Haut Conseil du Travail Social, de faire une photographie. Au début d'ailleurs, on était assez étonnés. Qu'on nous annonce à la fois un livre vert et un livre blanc, enfin, il n'y avait pas question de livre rouge à l'époque, mais en tout cas, le livre vert a été l'occasion de dresser un portrait du travail social, et aujourd'hui, on est dans la préparation d'un livre blanc avec des propositions très concrètes, toujours dans cette instance. Les trois groupes, d'ailleurs, il y a trois groupes qui se sont mis en place, il y a un groupe sur la question de la prospective et qui va être également très, très important puisqu'il y a la question, pour le moment, ce qui est avancé, c'est une réflexion sur la formation, une réflexion aussi sur la part de la complexité dans le travail social et notamment les besoins de simplification. Mais la question de la prospective est importante, il s'agit de se projeter dans l'avenir, pas nécessairement d'ailleurs sur un temps court, hein, des 2, 3, 4 années qui viennent, mais peut-être oser une réflexion à plus long terme, et ce qui est l'occasion d'ailleurs de s'interroger sur vraiment l'avenir du travail social, si tant est qu'il en est un. Alors, le contexte a été évoqué par Christophe Guinche, et je le rappelle, il y a un effet de ciseau, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un développement d'une demande sociale forte concernant les professionnels. Ce développement, il se caractérise par aussi la diversification des politiques publiques. Vous savez que quand on a commencé en 1975 à faire un état des lieux sur les établissements et les services sociaux et médico-sociaux, le chiffre qui était donné en 1975, c'était 12 500 établissements et services. Aujourd'hui, pendant quelque temps, on est monté à 32 000, 38 000. Ces derniers temps, ce qui a été annoncé de par les services de la statistique, c'est 44 000 établissements et services. Donc, il y a un développement assez considérable du paysage institutionnel, une grande diversification, et puis surtout, il y a une demande forte dans la population
de pouvoir bénéficier de soutien dans un contexte de grande difficulté. Et pour autant, c'est ce qui nous inquiète le plus, c'est les difficultés de recrutement. Et je le mets pas, mais c'est un des points qui nous est souvent renvoyé à l'appareil de formation, c'est-à-dire recrutement de professionnels et de préférence des professionnels compétents. Donc, c'est pas uniquement un problème quantitatif, c'est un problème qualitatif. Et puis un point sur lequel je reviendrai certainement aussi, c'est que la notion de travail social, il faut la considérer de manière un peu plus large. Je mets bien quand Brigitte Bouquet, qui avait ouvert la chaire de travail social au CNAM, elle disait le travail social, ce ne sont pas que les travailleurs sociaux. Il y a un ensemble d'acteurs qui contribuent finalement à l'action sociale et médico-sociale, mais spécifiquement au travail social. Tout à l'heure, vous avez, Isabelle Fian a parlé des personnes accompagnées que je salue. Ça veut dire qu'il y a aussi un problème de renouvellement des acteurs. Donc, ce n'est pas uniquement un problème de recrutement par rapport à des emplois non pourvus, mais c'est finalement la question des forces vives qui peuvent contribuer à l'aide aux personnes en difficulté. Donc là, il y a un vrai enjeu. C'est, d'ailleurs, on le voit dans le domaine notamment de l'aide à domicile, mais aussi dans le secteur des personnes âgées, mais on l'a vu dans d'autres secteurs, c'est comment on va arriver à passer ce cap, si tant est que ça soit possible, dans ce contexte-là. Et puis, donc, du coup, ce qu'on avait convenu, effectivement, c'est de faire les choses en deux temps. Souvent, quand on aborde la question du sens, on va tout de suite à la question des leviers possibles ou des transformations. Tout de suite, l'idée, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant, qui est assez insupportable dans les difficultés que l'on a à être visible. Et la pandémie, le Covid-19, a accentué les inquiétudes dans le champ du travail social, surtout lorsqu'on a considéré qu'il y avait deux lignes. Il y a des intervenants de première ligne qui étaient plutôt les soignants, qui, sans lesquels, évidemment, la vie des personnes peut être gravement mise en cause. Mais il y a aussi l'idée d'une deuxième ligne. Et le fait que d'être relégué en deuxième ligne a justifié une mobilisation forte. Mais je fais l'hypothèse que l'analyse du phénomène, l'analyse de la crise que nous traversons, elle reste encore à faire. En tout cas, elle est assez... elle est assez difficile à faire. Alors pourquoi ? Eh bien parce que d'abord, on est face à un problème général et ancien. Général parce qu'il ne touche pas que le monde du travail social, et ancien parce que, d'abord, sans revenir sur les origines du travail social, on peut dire que finalement, il y a eu deux temps importants. Sur les périodes plus récentes, il y a un temps, c'est ça qui m'a frappé, qui est le temps de la reconnaissance, c'est-à-dire qu'au début des années 2000, si vous voulez, enfin fin des années 1990, au début des années 2000, il y a une thématique très forte qui est apparue, qui est la question de la reconnaissance. Je vous en donne un exemple, et on essaiera de voir pour quelles raisons c'est apparu, mais il y a deux rapports qui conservent leur actualité. Mais il y a le rapport d'Antoine Lazarus et Hélène Stroll qui s'intitulait « Une souffrance qu'on ne peut plus cacher ». La souffrance qu'on ne peut plus cacher, c'était la souffrance des travailleurs sociaux. Et c'était un rapport qui a été produit dans le cadre de la naissance de la politique de la ville et aussi dans le cadre de dans le prolongement de la création du RMI en 1988. Ce rapport qui est fait à la fois par la délégation interministérielle à la ville et au développement urbain et par la délégation interministérielle du RMI, donc c'est un rapport qui montrait comment finalement, les travailleurs sociaux voyaient des difficultés d'une autre nature apparaître et se sentaient dans une relative impuissance par rapport à l'ampleur des demandes qui leur étaient faites. Le RMI, en particulier pour les assistants de services sociaux, a été l'occasion de se
se confronter. À l'époque, on parlait de la nouvelle pauvreté, mais il a été aussi l'occasion de se confronter à des difficultés de personnes dans un contexte de crise de la psychiatrie publique. Donc, il y a eu à un moment donné un choc, je dirais, un choc qui a rendu difficile le travail des intervenants sociaux par rapport justement à ces questions-là. Ça s'est confirmé avec un autre rapport qui s'intitule, et vous le trouverez facilement sur, enfin, pas facilement d'ailleurs, difficilement sur le net, mais on peut le trouver, qui s'intitulait « Souffrance ou trouble psychique, rôle et place du travailleur social ». Donc, finalement, il y a eu une époque, au début des années 2000, où on a beaucoup mis l'accent sur la question de la souffrance des travailleurs sociaux, mais cette souffrance, elle était dans un contexte qui est différent de celui d'aujourd'hui, parce que les travailleurs sociaux souffraient, mais ils restaient en poste. Ou je vais dire encore, pour simplifier les choses, ils souffraient, mais on n'avait pas trop de problèmes pour en trouver. Le fait nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une deuxième étape où la question, finalement, de la, ce que j'appelle la raréfaction de l'espèce devient un problème urgent parce que vous avez un certain nombre de secteurs qui, progressivement, se sont appauvris du point de vue de leur niveau d'attractivité. Alors, finalement, je ne sais pas si cette hypothèse tient, mais il y a une différence, si vous voulez, entre la question de la reconnaissance ou la demande de reconnaissance et puis la question de l'attractivité qui met en jeu des mécanismes un peu plus subjectifs. Quand on parle de l'attractivité, c'est, au bout du compte, c'est l'attraction, c'est l'envie de travailler. Et c'est un secteur qui ne suscite plus autant que par le passé, ou du moins c'est un point qui se dispute, il suscite un peu moins que par le passé l'engagement notamment d'un certain nombre de jeunes pour la profession. Il y a toute une littérature, je pense, qu'il faut reprendre en amont de ce que fait le Haut Conseil du Travail Social. Vous voyez, par exemple, il y a un article dans Pensée plurielle en 2008 de Thierry Larner qui s'intitulait « L'évaluation diagnostique de la souffrance psychique chez les assistants sociaux ». Autrement dit, il y a un problème qui n'est pas uniquement statutaire, mais qui concerne finalement le rapport au travail. C'est en ce sens où on peut dire que c'est un problème qui est assez large et qui se traduit par plusieurs facteurs. Là, on parle de l'attractivité. Tout à l'heure, Christophe Guinche a parlé aussi de l'évaporation active des personnes, mais on a un certain nombre de symptômes d'une situation difficile, le surabsentéisme, les accidents, notamment les accidents du travail et de transport, les risques psychosociaux, les problèmes de santé mentale, la baisse de la durée de vie professionnelle, et donc, finalement, un problème de rajeunissement du secteur, avec des problèmes également qui sont à l'horizon, qui sont la création, je dirais, de strates générationnelles, où, disons que, on a un problème de reproduction, finalement, des forces en matière de travail social. Et je termine là-dessus pour dire que, vous voyez, le premier temps, ce que j'appelle le temps de la reconnaissance, il a fait l'objet de beaucoup de réflexions théoriques plus larges, parce que la question de la reconnaissance, c'est finalement la question de l'invisibilité, thème central pour le travail social, ou de la difficulté à rendre notre activité visible, et puis un sentiment, on pourrait dire, d'humiliation, hein, que l'on va retrouver dans les écrits de Axel Honneth. Notamment, il a écrit deux ouvrages, enfin, il y a au moins deux titres de Axel Honneth que je signale. Il y en a un qui s'intitule « La société du mépris » et puis l'autre « La lutte pour la reconnaissance ». Et ça, c'est une première étape qu'on a traversée et qui montre que dans la demande de reconnaissance,
il y a véritablement un combat qui s'est engagé parce que aujourd'hui, évidemment, il a pour conséquence une autre thématique sur laquelle je reviendrai, qui est la question du non-recours au droit ou du renoncement au droit. Donc, il y a un problème très important qui se traduit par, on pourrait dire, un souci. C'est quand même assez étonnant pour le travail social. C'est le souci de son utilité sociale. C'est-à-dire que le travail social s'est construit historiquement par un engagement très fort sur des valeurs démocratiques, philanthropiques, des valeurs fortes qui paraissaient relativement évidentes. Et aujourd'hui, il y a un doute qui s'est installé. Il y a un doute, mais pas un doute. Enfin, je reviendrai sur le doute parce qu'il a plusieurs visages, ce doute. Hein. Mais en tout cas, un doute sur l'utilité sociale. Alors, il y a des chiffres sur lesquels on ne peut pas m'étendre, mais vous le savez sans doute, du point de vue en tout cas des employeurs, il y a des études qui ont été faites par la FEAP et par Nexem, et qui indiquent que pour le seul secteur non lucratif, 50 000 postes seraient à pourvoir, et que le nombre des candidats à l'entrée des écoles, soit pour les métiers du soin ou les métiers du travail social, serait en baisse. Alors, j'arrondis, hein, mais c'est un chiffre qui est donné, en baisse de 40% entre 2010 et 2017. Alors, vous remarquerez que cette baisse, dans l'indication qui est confirmée par les services du ministère, qui est sur la tranche 2010-2017, il se traduit notamment pour le secteur de l'accompagnement social et éducatif, par le fait, là aussi, il y a une étude de la direction des statistiques et de la recherche qui s'intitule « Le nombre d'étudiants se destinant à l'accompagnement social et éducatif diminue depuis 2010 ». Donc, quand on parle de cette évolution-là, il ne faut pas se focaliser sur la mobilisation qui a donné lieu à la crise récente, au Ségur, etc. On est sur un processus évolutif. Et alors, ce qui est très frappant, parce que si je prends 2005, à propos de la reconnaissance de la souffrance des travailleurs sociaux, 2010, pour le fléchissement des chiffres, ce qui est très frappant, c'est l'absence d'anticipation, finalement, des besoins. Parce que là, ce sont des besoins qui ont cru, comme je l'ai indiqué, par l'augmentation du nombre d'institutions, mais également, il y a des effets de pyramide des âges, de départ à la retraite avec les 35 heures et tout ça fait que finalement il y a à la fois cette idée d'une forte dynamique de l'emploi qui était annoncée mais qui se traduit par finalement une crise très large sur un périmètre qui est élargi, c'est-à-dire que je me rappelle à l'époque quand j'étais formateur puis directeur de l'école d'éducateurs spécialisés de Versailles, qu'on appelle BUC Ressources, il y a eu déjà des alertes dans le début des années 90, mais c'était surtout par rapport… il y avait deux alertes. Il y avait une alerte par rapport à la prévention spécialisée, et là, il y avait vraiment une difficulté. On pouvait expliquer, j'y reviendrai sur la question du rapport au public, hein, qui paraissait un secteur très difficile. Donc, en prévention spécialisée, il y avait vraiment des questions par rapport à l'emploi. Et puis, on a commencé à voir apparaître un fléchissement du côté des assistants de services sociaux. Ça, c'est très net. Mais à l'époque, disons que globalement, ça avait l'air de tenir et on n'avait pas le sentiment qu'il y avait une crise. En particulier, ce qui était très frappant, c'est que la crise ne touchait pas les éducateurs spécialisés comme elle touchait les assistants de services sociaux, donc déjà sujet d'interrogation. Et surtout, elle ne touchait pas du tout les EJE. Les éducateurs de jeunes enfants, alors qu'aujourd'hui, comme vous le savez, la crise, elle touche aussi les EJE. Et finalement, progressivement, des difficultés, alors de deux ordres, des difficultés à trouver des professionnels, j'allais dire compétents ou pas compétents, c'est même pas la question, et surtout dans le secteur des personnes âgées. Donc ça, c'est un des aspects de ce qui va se traduire par le scandale des EHPAD ou d'un certain nombre d'EHPAD. Hein, on est obligé de se poser la question quand même des niveaux de formation et de qualification
d'intervenants. Et c'est ça qui avait été, entre autres, au cœur du rapport de Dominique Libault, qui alerte aussi sur ce secteur spécifique des personnes âgées. Mais ce qui est plus gênant, si vous voulez, c'est ce que déjà les Québécois appelaient le care déficit, c'est-à-dire également un problème du côté des aidants, du côté des pères aidants. Alors, ils ont un rôle très important à jouer et très actif, mais si vous voulez, on sent les effets, notamment, des évolutions de la famille avec le développement des familles monoparentales, un certain nombre de contraintes qui s'exercent sur les femmes, puisque la question du genre va être un volet très important dans ce constat de la crise. Et cela a comme effet, évidemment, de mettre la question de l'emploi en rapport avec la vie privée des gens. En effet, les difficultés de recrutement, elles s'éclairent aussi par le cumul de difficultés, à la fois du point de vue professionnel, avec des salaires et des conditions de travail qui ne sont pas satisfaisantes, mais aussi l'importance du travail familial et éducatif qu'ont un certain nombre de femmes et qui font que, eh bien, il y a aussi un recul du point de vue des ressources en termes de d'aidants et de pères aidants. Une question dans ce problème, c'est dans quelle mesure le phénomène est plus spécifiquement français. Et ça, je crois qu'on n'y attache pas suffisamment d'importance. On dit le livre vert du Haut Conseil du Travail Social, il est supposé être lu par tout le monde, y compris par les gens très, très actifs. Permettez-moi d'en douter, parce que pour avoir rédigé une partie, en tout cas dans le livre vert, je me suis surpris par le fait que moi-même, je n'avais peut-être pas accordé assez d'attention à un élément fort dans le livre vert qui sont les comparaisons internationales. Et je crois que il y a une tendance aujourd'hui à se préoccuper surtout un peu de notre nombril et sans s'interroger toujours sur la situation au niveau européen notamment et international. Et dans le livre vert, il y a une partie avec des tableaux qu'on doit d'ailleurs à la commission internationale du Haut Conseil et qui s'est appuyée beaucoup aussi sur les ambassades, donc a permis pour la première fois de recueillir des éléments assez exhaustifs. Et alors moi, ce qui m'a frappé, c'est deux choses. D'abord, les écarts considérables dans la situation statutaire, je dirais, des travailleurs sociaux et dans les niveaux de salaire. Alors, l'écart de salaire, pour autant que les chiffres soient fiables, qu'on puisse comparer ce qui n'est pas comparable, etc., hein, puisque le travail social, il dépend aussi de l'état du système de protection sociale, de la situation économique, etc. Mais alors, si on prend la rémunération mensuelle, eh bien, on a un chiffre vraiment inquiétant, c'est de 500 euros mensuels en Roumanie, et à l'opposé, vous avez 7000 euros mensuels en Suisse. Alors, la moyenne européenne, elle est fixée à peu près à 3000 euros, c'est le chiffre qu'on donne pour l'Allemagne ou pour la Finlande. Et finalement, on situe donc la France dans une tranche relativement basse. Ça, c'est la première remarque. Donc, c'est cette hétérogénéité de la situation du travail social. On peut dire aussi qu'il y a des secteurs dans lesquels la rémunération est assez forte, des pays dans lesquels la rémunération est un peu forte, mais avec aussi un contexte différent. Je pense au Québec, où on est à peu près l'équivalent hein, de 5 000 euros mensuels. Mais là, il y a un ordre professionnel et on a l'impression que le travail social, il est bien installé, il est reconnu, mais il est reconnu avec des contraintes aussi, hein, puisque c'est un ordre professionnel qui a la capacité aussi de prendre des sanctions, enfin, comme un peu c'est le cas aujourd'hui avec l'ordre des médecins ou l'ordre infirmier. Ça, c'est la première remarque, ces écarts de situation. Mais la deuxième remarque, et là, je pense qu'il faudra avancer, c'est qu'il n'y a pas toujours de correspondance automatique entre le niveau de la rémunération ou la
ou la situation statutaire des travailleurs sociaux et la perception qu'ont des mêmes travailleurs sociaux de leur situation. C'est-à-dire que, bizarrement, vous pouvez avoir des endroits où, par exemple, en Allemagne ou en Suisse, où il y a à la fois un niveau élevé de rémunération, mais un rapport au travail qui est assez conflictuel. Que le sentiment de l'usure, de la fatigue, des risques psychosociaux, etc., est très présent. Et à l'inverse, vous pouvez avoir des pays où la rémunération est moins élevée et pour autant, il y a un engagement qui est très fort. Donc ça, c'est un sujet de réflexion. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on devrait avoir aujourd'hui, c'est de savoir finalement comment équilibrer le processus de professionnalisation et la partie d'engagement. Enfin, pour le dire encore plus clairement, vous avez des jeunes aujourd'hui qui sont très engagés dans des organisations non gouvernementales, qui s'engagent dans l'humanitaire, comme on dit, avec évidemment pas l'équivalent de salaire, de statut, pas de sécurité d'emploi, comme s'ils étaient des professionnels, mais qui sont très, très impliqués là-dedans. Et inversement, on peut avoir des professionnels qui sont dans une espèce de routine et pour lesquels la sécurité de l'emploi ou le niveau de salaire n'est pas toujours en rapport avec la question de l'engagement. Donc, il faut se garder un peu justement des simplifications par rapport à ça. C'est pour ça que lorsque l'on parle du sens, le sens, et c'est surtout la question du rapport que l'on a au travail et que l'on a, du sens que l'on a qu'on donne aux valeurs dont on est porteur et l'image que l'on se fait de notre utilité sociale. Donc, c'est bien au-delà de données purement statutaires ou purement économiques. Donc, ça, c'est aussi un problème qui est assez ancien et qui nous soucie justement par rapport à l'avenir. Alors, quel facteur de compréhension? Parce que là, ce que je viens de faire, c'est un peu le portrait d'une crise, c'est le constat d'une crise donc sur la longue durée, une crise, j'allais dire, endémique, permanente, je reviendrai un peu sur cette question-là, qui s'accentue dans un contexte spécifique, et maintenant, le problème, c'est d'arriver à sa compréhension. Alors, en fait, je l'ai suggéré à l'instant, il y a bien entendu des facteurs de compréhension qui sont multiples. La rémunération, les conditions de travail, mais on va le voir, ça concerne aussi les mutations sociétales, ça concerne les tensions avec les publics, les problèmes de perte de repères et perte de sens. Mais si on aborde la question des questions salariales et statutaires, et ça met en jeu des coûts induits, comme le logement, les frais de transport, ça met en jeu l'organisation des institutions, les dispositifs, la qualité de vie au travail, avec, c'est un point qu'il ne faut pas négliger, des effets, on peut dire, du poids des normes de la gestion publique, qui parfois peuvent rebuter des professionnels et qui les font fuir. Il y a des effets de bureaucratisation, c'est-à-dire que c'est un secteur qui, dans certains cas, finalement, a abouti déjà à des fonctionnements rigides qui tranchent avec les attentes que peuvent avoir notamment des professionnels qui arrivent. Donc là, il y a une espèce d'écart qu'on peut constater et s'accompagne en plus de sentiments d'injustice par rapport à des inégalités de traitement. Ce qui s'est passé pour le Ségur est tout à fait l'illustration de cela. Mais je dirais qu'il y a aussi quelques épines dans le pied. Vous voyez, à propos de ce sentiment d'injustice, il peut y avoir un flou sur les niveaux de reconnaissance des diplômes et quelque chose que j'ai connu dès le milieu des années 80, je prends cet exemple-là, qui fait l'objet d'un débat, c'est atténué, mais enfin qui est toujours en arrière-plan, qui est par exemple les niveaux de reconnaissance
des éducateurs spécialisés et des moniteurs éducateurs, des ESME, dont il était convenu de dire d'ailleurs qu'ils faisaient à peu près la même chose, simplement ils étaient d'un niveau d'accès à l'entrée qui était différent, d'ailleurs, et puis surtout qui n'étaient pas traités du point de vue du salaire de la même façon. D'ailleurs, l'instance qui a précédé le Haut Conseil du Travail Social, hein, le Conseil supérieur du travail social, en 1987, s'était prononcé à l'époque, enfin du moins un de ces groupes de travail s'était prononcé pour la suppression de la catégorie de moniteur-éducateur au motif qu'il y avait une dissociation là de niveau qui ne se justifie pas. Donc, ce sont des questions qui ne se résument pas à un déficit de reconnaissance salariale et statutaire, même si cette dimension occupe une place considérable dans le discours qui sont tenus. On peut dire qu'il y a des positionnements qui sont différents par rapport à ça. Bon, de la résistance à l'indifférence. Je pense notamment déjà aux travaux anciens de Renaud Saint-Saulieu sur l'identité au travail, mais avec un point commun qui est la perte d'enthousiasme liée à cette perte de sens qui s'est développée à un rythme parfois inégal, mais aussi, on peut dire, à un déficit d'image. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je l'ai dissocié là-dedans, je l'ai évoqué à l'instant, le poids des normes qui font fuir. Vous voyez, il y a un livre de David Graeber qui est l'illustration de ça. Et alors, le titre d'ailleurs peut créer un malentendu. Je vous signale, c'est un livre qui est sorti en 2019 hein, chez un petit éditeur qui s'appelle Les liens qui libèrent, et qui est beaucoup diffusé. Bullshit Jobs. Bon, en français, c'est en gros, c'est les boulots de merde. Alors, quand on voit le livre, on se dit, ben, il parle justement des métiers du lien social, etc. Non, il montre comment on a vu se développer des métiers qui étaient plutôt tournés vers la gestion et qui renforçaient l'aspect, disons, administratif, l'aspect comptable. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a un des groupes de travail du Haut Conseil du Travail Social qui va traiter de cette question-là, parce que plus on a vu se développer des emplois qui étaient justifiés par les besoins de formalisation, plus on a le sentiment que la question de l'accompagnement a été un peu mise à distance. Et donc, un des soucis que l'on a, c'est aujourd'hui de se préoccuper, de redonner du sens en axant plus les activités du secteur social et médico-social vers l'accompagnement des personnes et de l'accompagnement au quotidien et pas uniquement sur la gestion de dispositifs. C'est vrai que de ce point de vue-là, il y a une espèce de tension forte entre deux besoins différents. Vous en avez entendu parler certainement à propos de la réforme de la tarification qu'on appelle Séraphin PH et qui fait l'objet de réactions parfois très, très virulentes, pas toujours justifiées. Mais il y a une espèce de tension entre deux objectifs. Il y a la nécessité de donner des garanties, parce qu'il y a derrière une question qui est celle de la maltraitance institutionnelle qui existe toujours, on l'a vu avec Orpea ou d'autres endroits. Donc il y a un besoin de donner des garanties, il y a un besoin de visibilité du travail social et qui nécessite de pouvoir expliciter le travail que l'on mène. Mais en même temps, cela ouvre la voie à des formes de quantification, au fait que l'on parle de plus en plus de performance, etc., et qui font que du coup, il y a une espèce de déséquilibre ou de difficulté à se positionner entre ces deux objectifs. Et le bullshit jobs désigne finalement le rapport que l'on a dans le monde du travail social entre… Alors, ce n'est pas uniquement un rapport avec les cadres, parce que les cadres ont le même problème que beaucoup de travailleurs sociaux, mais c'est en tout cas le rapport qu'il y a entre la partie administrative et la partie purement liée à l'accompagnement social. Pour les assistantes sociales, par exemple, il y a un sujet de discussion qui est ancien aussi, mais qui consiste à dire est-ce qu'il ne faudrait pas décharger les assistantes sociales de la part de travail administratif, et pourquoi ne pas créer une catégorie professionnelle comme dans le champ de la santé, on a des
secrétaire médical qui finalement décharge les infirmières ou les médecins de leur fonction soignante. Et la question pour les assistants de services sociaux a été posée. Ça, c'est aussi un souci qui méritera certainement de débats importants. Et puis, quelque chose qui est très important aussi, c'est ça veut dire que le problème du sens n'est pas disons, il est lié à l'état général de la société. C'est même pas, on dit souvent, c'est la question du rapport au travail. Je dirais, c'est finalement le rapport au monde. Comment on fait société? Comment on fait solidarité? Et là, il y a plusieurs auteurs auxquels je pense qu'on vient de se référer, mais des auteurs comme Robert Castel, très tôt, sont inspirés de philosophes. Hein, je pense que Louis Dumont ou Norbert Elias, je pense qu'il y a un livre important qui s'appelle « La société des individus ». Robert Castel insistait beaucoup sur le développement de l'individualisme et donc de l'émiettement des relations, des pertes de sens aussi, parce que quand on dit perte de sens, c'est une perte ou c'est une dilution des liens sociaux, c'est une perte dans la cohésion sociale. Or, Castel apporte un élément tout à fait différent. Il faisait la distinction dans son livre sur l'insécurité sociale, il faisait la distinction entre un individualisme positif et un individualisme négatif, en disant on est dans une société d'un genre un peu particulier, où à la fois il y a une demande de reconnaissance, et c'est pour ça que les travailleurs sociaux s'inscrivent tout à fait dans cette demande sociétale de reconnaissance, donc c'est ce qu'il appelait l'individualisme positif, et puis un individualisme négatif qu'il qualifie comme représentant les formes de repli sur soi, ou sur son cercle, ou sur sa communauté, ou sur son territoire d'ailleurs, des replis sur soi, y compris sur son identité, donc des replis sur soi corporatistes. Et finalement, ce qui caractérise, ce que décrit Robert Castel, c'est une société dans laquelle la question du collectif devient une question difficile. Et je le dis parce que notamment, en particulier les assistants de services sociaux d'intérêt collectif, et là, on bute non pas uniquement sur un problème de, je dirais, pratique institutionnelle, où est-ce que je vais pouvoir trouver un stage pour faire mon ISIC, des choses de genre. Non, la question, c'est qu'au moment où on valorise l'intervention sociale d'intérêt collectif, on est dans une société dans laquelle, je reprends les expressions qu'on trouve aussi chez Castel, il y a à la fois l'individualisme par excès, alors ce qu'il appelle l'individualisme des gagnants, du coup, je m'épanouis et je m'occupe uniquement de moi, de ma famille, etc. Mais il y a aussi l'individualisme par défaut, l'individualisme des perdants. Et vous remarquerez que alors, la COVID-19 a renforcé ça, mais un des problèmes auxquels est confronté le travail social, c'est celui d'une société dans laquelle la question de l'isolement devient une question centrale. Ce n'est pas uniquement, vous voyez, dans les années 50, un des problèmes dont on parlait beaucoup, c'est les phénomènes de bande. Enfin, il y avait des collectifs qui posaient des problèmes. Hein. Comment on intervient auprès des blousons noirs, etc. Enfin, oui, je ne sais plus bien un peu les choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est plus un risque d'anomie au sens de Durkheim. C'est-à-dire, finalement, on est face à des individus qui sont abandonnés à eux-mêmes. Et au moment de la COVID-19, il y a deux rapports qui sortent. Sur la question de l'isolement. D'ailleurs, vous avez même une politique publique qui s'appelle Mona Lisa, hein, qui est la mobilisation nationale de lutte contre l'isolement, Mona Lisa, qui est typique de ça. Le problème, c'est la confrontation à la solitude. Comment, en tant que travailleur social, je contribue à renouer des liens dans ce contexte-là? Mais c'est aussi la solitude des travailleurs sociaux eux-mêmes. Et le virage, ce qu'on appelle le virage domiciliaire, le fait d'intervenir de plus en plus au domicile, confronte aussi à cette solitude. Parce que si je suis j'ai connu un ESAT
250 places. Hein. Donc, on peut se représenter. Il y en a encore des structures de grosse taille. Et aujourd'hui, on est plutôt, en valorisant les petites unités de vie, etc., on est sur des fractionnements dans les réalités institutionnelles. Donc, cette question-là est très importante. Et des sociologues américains ont mis en avant le fait que ce n'est même pas un changement de société, c'est un changement quasiment anthropologique. Et ils utilisent ces auteurs, Warren Bennis et Bert Nannus, qui parlent des individus VUCA. Les individus VUCA, et on avait repris cette expression dans un des rapports du Conseil supérieur du travail social, VUCA, c'est volatile, uncertain, complexe, ambigu. C'est-à-dire que l'individu d'aujourd'hui, il est volatile, mais on peut le dire aussi du travailleur social. C'est-à-dire qu'il ne reste pas en place. Hein, c'est pour ça qu'il y a un intérêt très fort chez les travailleurs sociaux aujourd'hui pour l'intérim ou pour, disons, en tout cas, une discontinuité des parcours. Mais il y a aussi uncertain, c'est-à-dire l'incertitude dans notre positionnement. C'est-à-dire que c'est difficile de se représenter ce qu'on va faire très prochainement. Donc, il y a une incertitude qui pèse sur l'ensemble des comportements et des institutions. La complexité, sur laquelle des gens comme Edgar Morin ont beaucoup insisté. Et puis, en bogus, l'ambiguïté, c'est-à-dire des difficultés de positionnement où, et ça, c'est particulièrement fort dans le travail social, il y a une difficulté à gérer à la fois, je dirais, l'aide à l'autonomie, mais aussi le besoin de protection des personnes. J'y reviendrai peut-être aussi chez le temps là-dessus. Et puis un sociologue aussi dont je vous signale le nom, Zygmunt Bauman, qui a écrit « La vie liquide » et qui montre qu'on est dans une société, disons qu'il y a une convergence de points de vue chez les sociologues aujourd'hui, pour dire que finalement, il y a une espèce de flux. Alors, liquidité, vous voyez, c'est à la fois l'idée de fluidité, donc il y a des flux, et finalement on est amené à gérer ces flux. La liquidité, ça aussi, ça peut évoquer la liquéfaction. Hein, donc il y a une inquiétude que l'on peut avoir sur le développement de notre société. Je vais juste aborder un quatrième point ici, puis après on va se stopper, parce que il y a des points qu'on va reprendre tout à l'heure. Dans ce contexte-là, on peut dire que la crise sanitaire qu'on a connue, dans laquelle on est toujours, elle modifie la nature de l'incertitude. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait beaucoup de réflexions éthiques. D'ailleurs, il y avait une confusion ces derniers temps entre éthique et déontologie, et une confusion entre les deux, parce que finalement, on disait il y a des incertitudes, mais ce sont des interrogations qu'on peut gérer parce qu'il y a une distinction claire à faire entre deux options, ou il y a un débat entre deux options. Aujourd'hui, les frontières sont devenues un peu plus opaques et qui font que la question du doute est plus importante. Donc, la tendance à dire, là, ça serait un sujet en soi, on est amené de plus en plus à bien distinguer éthique et déontologie, ou du moins qu'il y a une préoccupation éthique sur les difficulté à prendre des décisions et à se positionner, là où la déontologie évoque l'idée d'un code et suggère qu'on pourrait avoir des points de repère. Ça, je le dis au passage, parce que dans l'avenir du Haut Conseil du Travail Social, c'est un point qui va être très important. Et puis, le point 4, avant que je m'arrête, il est, à mon avis, à prendre aussi en considération, c'est les tensions que l'on peut avoir vis-à-vis des publics. Il y a un point quand même sur lequel Philippe Varin et son observatoire du non-recours au droit a beaucoup insisté. Quand il dit comment se fait-il que, on l'a dit à propos du RSA, comment se fait-il que 58% des personnes qui pourraient demander le RSA ne le demandent pas ou renoncent à demander le renouvellement de leur allocation, et on donne souvent des chiffres à propos de l'allocation aux adultes handicapés de l'ordre à peu près de 20%. Il y a un écart entre les moyens que l'on est en capacité de proposer à des personnes en difficulté et puis le fait que, eh ben non, ils ne réclament pas nécessairement. Et je pense que Philippe Varin, il donne quatre
clé d'explication à ça. Il évoque les difficultés de compréhension de certains publics. Il développe aussi cette idée de difficulté à communiquer à ces publics des informations qui soient claires, d'où l'importance de la langue facile à lire et à comprendre aujourd'hui pour corriger cela. Il met en avant des phénomènes d'indifférence dans les publics qui sont tellement envahis par leurs préoccupations qu'ils ne se préoccupent même pas de leurs droits. Mais le quatrième item donné par Philippe Varin, c'est la non-confiance. Et là, ça, quand on s'interroge sur la question du sens du travail social, si on veut sortir du discours convenu sur oui, c'est uniquement parce qu'on a des difficultés d'être reconnu statutairement et de manière salariale. Non, il y a à tenir compte de cette question de confiance et avec une gradation, d'ailleurs, encore plus souvent, Philippe Varin utilise le terme de défaut de confiance entre les personnes en difficulté et les intervenants. Et dans ces niveaux de défaut de confiance, il y a deux termes qu'il faut bien dissocier, qui est la défiance et la méfiance. Ils ne sont pas exactement de même nature. Enfin, ça pèse quand même dans les relations avec les personnes. Si vous voulez, le niveau le plus élevé, c'est la méfiance, parce que la méfiance, c'est une suspicion, alors c'est un doute radical, c'est une suspicion quant aux discours tenus qui leur sont tenus. La méfiance fait que finalement, je suis très méfiant, hein, j'ai été chaudé. La défiance est un niveau un peu en dessous, hein, où on peut dire qu'il y a un problème de crédibilité. Et disons que bon, c'est surtout parce qu'on a un esprit critique un peu développé, mais qui n'empêche pas ensuite des formes de coopération. Donc il y a ça quand même qui pèse beaucoup. Dans cette tension avec le public, il y a aussi, il faut le dire, la thématique de la peur. Je pense au colloque qui avait été organisé à Buc sur travailler avec la peur. C'est la peur des comportements pathologiques. C'est la question derrière ça de la violence. Vous avez suivi cette affaire dramatique qui a été le meurtre d'une assistante sociale, Audrey Adam. Et puis il y en a eu d'autres, d'ailleurs, qui sont exposés à la violence. Et chez les jeunes qui entrent dans le secteur, si vous voulez, il y a d'emblée l'idée que c'est un secteur qui va être difficile avec des personnes qui sont parfois, qui releveraient plus facilement des accompagnements par la psychiatrie. Et moi, j'ai beaucoup entendu dire chez des jeunes étudiants, c'est vraiment la confrontation assez publique. Je pense notamment à des études qui ont été faites, des ouvrages un peu controversés comme celui de Maurice Berger, qui s'appelle « Voulons-nous des enfants barbares ?» hein, ou une étude sur critique de plus en plus fort, « Où sommes-nous de plus en plus sourds ?» Donc là, il y a cette question-là. Et puis, un dernier point qui concerne aussi quelque chose dont il faudra parler, c'est tout un pan de la sociologie qu'on appelle la sociologie du dégoût, avec plusieurs auteurs. Alors là, je cite Dominique Mémy sur le social et les creux du dégoût, mais il y a une philosophe, hein, Claire Margat, qui a écrit... qui a fait tout un travail sur la phénoménologie du dégoût, c'est la question de l'angoisse de la proximité, c'est la question de la peur de la contagion, c'est la notion de fardeau qu'on trouve avec les malades d'Alzheimer, etc. Il faudra revenir un jour sur ce mot d'ordre qu'on donne, parfois qui nécessite une réflexion et un débat, sur la notion de l'aller vers. Qu'est-ce qui bloque dans l'aller vers? Aller vers qui? Et qui va vers qui? Et dans quelles conditions est-ce que c'est possible d'aller vers des gens qui, le dégoût n'étant pas rédhibitoire, hein, mais je pense, Patrick Declercq, quand il écrit Les Naufragés à propos des centres de missiles fixes, il développe des éléments comme ça pour dire que ce sont des éléments de réalité. Hein. Ce n'est pas nécessairement pour dire il y a des gens, vraiment, il faut les laisser dans leur coin et renforcer leur exclusion par ça. Mais il y a en tout cas, donc autrement dit, hein, je termine là-dessus, c'est vraiment, j'allais dire, il faut mettre sur la table un certain nombre de questions. On ne peut pas se contenter de tenir un discours un peu angélique sur
la crise du travail social, la perte de sens, etc. Il faut expliquer aussi un certain nombre de difficultés structurelles qui sont toujours à l'œuvre compte tenu de la réalité des publics. Voilà, je suis débordé déjà, je m'en excuse, mais... Merci, merci beaucoup Marcel Gégère pour cette première partie déjà très riche. Merci pour cette cartographie avec des éléments multiples et variés de compréhension du contexte actuel. C'est toujours très intéressant de pouvoir effectivement avoir des images comme ça parlantes et fortes. Merci aussi pour vos invitations ou des rappels ou des invitations nouvelles à la littérature existante, à prendre vraiment connaissance des textes, parce qu'effectivement, je ne suis pas sûre que tout un chacun ait bien lu et pris connaissance de cette littérature. Alors, peut-être une première question concernant en fait les tensions avec les personnes concernées. Il y a quelque chose autour de la reconnaissance, en fait, la reconnaissance des personnes accompagnées. Comment aujourd'hui cette tension, elle peut aussi se comprendre par rapport à l'idée d'un paradoxe autour de le travailleur social sachant, alors qu'on est dans un appel et dans une volonté affichée de développement de coopération. Est-ce que vous pourriez peut-être aller là-dessus? Alors, peut-être je vais toutes les poser, puis vous les prendrez dans l'ordre que vous souhaitez ensuite, hein. Donc, un axe en tous les cas par rapport au public sur cette question-là. Un axe autour de la question du doute. Comment laisser place au doute dans une société où tout s'accélère, où le temps de l'expérimentation dans les organisations de travail social est de plus en plus réduit, voire inexistant. Vous avez parlé des normes, hein, qui effectivement prennent le pas. Est-ce qu'on pourrait revenir, est-ce que vous pourriez revenir sur cette question du doute dans un espace-temps où effectivement l'expérimentation, le processus de recherche est peu présent. Et puis un dernier point peut-être sur la question du recrutement des travailleurs sociaux via les boîtes d'intérim qui se développent de plus en plus, comment ça vient impacter aussi le nouveau schéma de recrutement. Et je crois que Pascal, de son côté, a également une question. Ça va faire quatre et c'est déjà pas mal. Oui, c'était une question plutôt autour de l'attractivité de nos formations du travail social par rapport aux jeunes, puisque vous avez parlé de la question de l'engagement, notamment. Comment on peut expliquer que tous ces jeunes-là aujourd'hui sont très motivés pour tout ce qui est de l'engagement, pour des choses très différentes comme le développement durable, la question de humanitaire que vous avez dit, et qu'on n'arrive pas à les attirer vers le travail social, qui pourtant peut être vu de l'extérieur, de là où ils sont, pourrait paraître comme quelque chose de passionnant, mais ils ne le perçoivent pas, en fait. Parce qu'ils n'y sont pas aujourd'hui dans le travail social, donc c'est l'image qu'on renvoie peut-être qui empêche cet engagement-là, en fait. Oui. Pour la question des personnes accompagnées, là, on est sur un changement, je dirais, relativement récent, hein, mais qui est extrêmement important parce que, en fait, récent, c'est à l'occasion, je dirais, des États généraux du travail social, donc à partir de 2013, que vraiment il y a un contact qui s'établit, et notamment parce que les personnes accompagnées se retrouvent dans des associations. Alors, c'est le cas pour les personnes en situation de handicap avec l'association Nous Aussi, et puis surtout le CNPA, le Conseil national des personnes accompagnées. Il y en a d'autres, hein. Et là, il y a vraiment l'idée qu'il fallait sortir de, du
du discours sur, là aussi, hein, je caricature, hein, mais j'allais dire sortir du discours sur l'écoute. Je m'explique. Pendant longtemps, les travailleurs sociaux, ils ont dit, mais nous, on n'a pas besoin de nouveaux textes pour s'occuper correctement des personnes et puis être dans l'écoute, etc. Et on a mis le paquet, pendant, surtout avec la loi du 2 janvier 2002, sur des formes de participation plutôt institutionnalisées, c'est-à-dire conseil de vie sociale, les groupes d'expression, les enquêtes de satisfaction, etc. Aujourd'hui, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes accompagnées, bon, bien sûr, elles s'inscrivent dans ce mouvement-là. Mais on sent bien qu'on est passé du discours sur la participation à un discours sur le développement du pouvoir d'agir. Donc, il y a un changement radical. C'est-à-dire que, alors là, notamment, ATD Quart-Monde a joué un rôle très, très important, mais c'est cette idée que au-delà de l'écoute, il y a l'idée de la prise en considération de ce que j'ai entendu. C'est-à-dire que, et ça amène à cette idée tout à fait nouvelle qui est que c'est l'entrée par les savoirs. En fait, ce n'est pas l'entrée par l'écoute, et le respect qui sont des valeurs tout à fait respectables, elles-mêmes aussi, je peux dire, mais il y a cette idée que, en fait, les personnes en difficulté, elles ont quelque chose à nous apprendre en tant que professionnels. Et là, il y a une date, si vous voulez, un tournant qui est 2017. Parce que 2017, là aussi, c'est deux choses. C'est à la fois le décret du 6 mai 2017 qui donne pour la première fois une définition du travail social. Et il dit, le travail social, il se fonde sur trois types de savoirs. Il ne se fonde pas sur des valeurs, enfin, pas uniquement sur des valeurs. Il se fonde sur des savoirs. Et savoirs, c'est un, les savoirs académiques, sciences humaines, etc. Deux, c'est les savoirs théoriques et pratiques des professionnels. Déjà, mine de rien, le fait d'avoir mis les savoirs théoriques et pratiques des professionnels, ça veut dire qu'il y a des savoirs théoriques produits par la pratique, hein, c'est pas anodin, et les savoirs expérientiels. Donc là, du coup, donc 2017, c'est ça, c'est la définition par ce décret du 6 mai 2017, et aussi par un rapport du Haut Conseil du Travail Social qui s'intitule « La participation des personnes accompagnées à la gouvernance et à la formation des travailleurs sociaux ». Et du coup, on a, par exemple, il y a l'IRTES Paris-Parmentier, mais il y en a d'autres, à recruter deux personnes issues du monde de jaillir de la rue, hein, qui n'ont pas pu, pour des raisons statutaires, faire autrement, donc comme conseillère technique, et qui sont en fait des formatrices. Donc ça change complètement les choses. Donc, il y a un changement qui est récent, un changement qui impacte les cultures professionnelles, et un changement qui ne se passe pas toujours bien aussi. Donc, il y a un niveau d'acceptation, parce que ce n'est pas parce qu'il se passe bien, par le fait que les gens sont mal accueillis, etc. Non, c'est parce qu'il y a un doute là aussi sur, il y a un doute sur la notion de savoir expérientiel. Il y a donc un problème de crédibilité. Sur le fait de l'accélération du temps, etc. Oui, c'est un problème énorme. C'est l'impact dans le secteur social qu'on connaît ailleurs. L'impact du présentéisme. C'est le présentéisme, c'est le présent qui compte, mais c'est formulé parfois. Là, je suis intervenu auprès des cadres de travail social pour un conseil départemental. Tout le monde disait, mais les gens, ils veulent tout de suite. Donc je n'ai pas d'espace. Hein, je n'ai pas d'espace pour répondre aux personnes. Donc c'est présentéisme, je dirais, c'est activisme, c'est aussi ça. Hein, et comment on fait par rapport à cette question du doute, comment on fait pour ralentir? Parce que on ne peut pas ralentir d'une certaine façon s'il y a des objectifs de performance, etc. C'est pour ça que d'ailleurs, dans un des rapports dont le sous-titre était « Merci de ne plus nous appeler usagers », on développait la notion de travail social en retrait. Pour ça, je rejoins ma remarque tout à l'heure. Aller vers, ouais, ok, et aller vers à quelle vitesse? Si c'est aller vers parce qu'on me pousse dans le dos,
pour aller vers les gens comme si j'y allais pas vers les autres. Donc déjà, c'est quand même quasiment insultant. Mais on ne peut pas ne faire qu'aller vers les gens. On est obligé aussi de les laisser respirer. On n'est pas non plus dans l'emprise permanente. Donc, il faut aussi, c'est ça qu'on développait la notion de travail social en retrait, parfois, il faut laisser de l'espace. Et ça, c'est ceux qui parlent du développement du pouvoir d'agir, ils ont bien compris. Si je veux développer la part d'autonomie des personnes, il ne faut pas que je les colle sans arrêt ou que je leur coule la tête, comme on dit parfois. Donc, c'est comment on ralentit. Donc, ça, c'est une lutte de tous les instants. Mais, vous voyez, on ne peut pas ralentir trop parce que sinon, ça pourrait se traduire par de l'indifférence. Donc, ça, c'est vraiment un problème éthique. En fait, c'est un problème de position. On est vraiment dans la question éthique. Ça veut dire qu'il faut s'appuyer sur la réflexion sur les pratiques, ce que vous faites d'ailleurs dans les centres de formation. C'est le temps de réflexion sur la pratique, c'est à partir de situations concrètes, c'est comment on aurait pu faire autrement, hein, ou comment on met au travail les doutes qu'on a. Donc, ce n'est pas un doute négatif, c'est un doute au contraire positif. Alors, la question du boîtes d'intérim, je partage le constat. En fait, il y a deux problèmes pour le recrutement, hein. Enfin, pour le recrutement, mais il y a un autre problème par rapport à l'entrée en formation, quand même, qui nous soucie un petit peu, c'est Parcoursup, hein. Parce que, si vous voulez, la question, les boîtes d'intérim vont pas se préoccuper de l'adhésion sur le long terme à un projet, hein. Je te propose un emploi là, il s'agit de remplacer quelqu'un qui est pas là pendant 3 mois, pendant 6 mois, etc. Bon, on va commencer à travailler sur le projet institutionnel, etc. Donc, il y a l'idée de, aussi un peu de boucher les trous. Mais l'intérim correspond à une demande aussi, notamment chez les jeunes, correspond à une demande. Je vois la main qui se lève, donc j'y vais plus vite. Et Parcoursup qui pose aussi la question de la place de l'engagement dans le recrutement. Et puis, tout à fait vrai. Il y a une demande sur le développement durable, sur un certain nombre de thématiques qu'on commence à intégrer d'ailleurs dans les rapports, mais c'est vrai qu'il y a une parfois, et je vais donner juste un exemple d'étudiants éducateurs que j'ai connus en première année, ils allaient intégrer des équipes qui étaient des équipes, je vais pas dire de baroudeurs, mais enfin des gens solides, quoi. Et ils revenaient très vite, quoi. Soit ils interrompaient le stage, soit en disant déjà, on ne comprend rien du tout à ce qu'ils racontent. Et en plus, il y a eu un sentiment de clivage générationnel avec des certitudes qu'ils avaient. Ils avaient en face d'eux des professionnels qui étaient sûrs de leur fait, qui leur faisaient la leçon. Et du coup, ils n'avaient pas d'espace. Ils ont plus d'espace en allant sur les réseaux sociaux, on peut dire tout et n'importe quoi. Ou dans des établissements dans lesquels il n'y a pas d'attachement formel. Mais sinon, c'est pour ça que le secteur, il doit aussi se regarder lui-même, hein, par rapport à ça. C'est pas le tout de dire qu'il faut que vous accueilliez des stagiaires. Déjà, l'accueil des stagiaires est un problème en soi, hein. Il y a des réticences à ça, mais c'est des réticences à la déstabilisation. D'accord. Oui, juste, Marcel, excusez-moi, je levais la main pour prêter ma voix à Bastien, qui faisait du lien entre la question du recrutement et qui prolongeait en fait cette question-là par la question de l'entrepreneuriat social qui prend de plus en plus sa place, de place, et comment justement à la fois, peut-être là aussi coopérer avec ces nouvelles structures ou au contraire s'en défendre. Il y a eu, vendredi, la dernière, il y avait les journées de la revue Alternative économique et qui traitait de l'économie sociale et solidaire. Cette question-là était au centre de ces journées. Ça pose le problème des relations entre le travail social et l'économie sociale et solidaire. Et l'économie sociale et solidaire, parce que nous, on a aussi nos tensions, hein, différentes approches, notamment, je ne vais pas développer ça, mais en tout cas, l'économie sociale et solidaire, elle est elle-même prise dans une tension entre deux options. Il y a une option qui est, on pourrait dire, de cette idée de donner de la place à l'innovation et à la créativité, à l'initiative, en s'appuyant sur
sur le droit commun, sur la population, etc. Donc, quelque chose de, qui est très vivant. Mais en même temps, il y a une conception de l'économie sociale et solidaire qui se rapproche quand même, dangereusement parfois, d'une logique de marché. Donc, on est tout à fait dans ce contexte-là. Donc, je dirais, c'est l'illustration typique de la question du positionnement. Donc, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social, ça a deux visages possibles. Et d'ailleurs, on aurait tendance aujourd'hui, vous voyez, on dit travail social, économie sociale et solidaire, mais au milieu des deux, je vais mettre l'expression d'intervention sociale. C'est que la notion d'intervention sociale, elle est un peu à la croisée de ces deux chemins. On a à la fois un noyau dur historique du travail social, avec les 13 certifications du Code de l'action sociale des familles, et puis à l'autre bout, vous avez l'impression qu'il y a un secteur où la notion de solidarité serait plus présente. Mais il y a un secteur travail social, ce n'est pas très joyeux pour les gens qui ne connaissent pas le secteur, on a l'impression que c'est travail, c'est sérieux. Et puis la notion de solidarité, l'économie sociale et solidaire, qui est plus ouverte. Mais les deux, en fait, sont confrontés par les mêmes phénomènes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au CNAM, il y a un tronc commun entre le master de recherche en travail social et le master d'économie sociale et solidaire dont s'occupe Jean-Louis Laville. Donc, on est plutôt sur, je ne dirais pas des effets de balancier, hein. On est sur des effets de tension avec des recherches de points d'équilibre. Et là, je vais revenir sur cette question d'équilibre tout à l'heure. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Marcel pour ces éléments de prolongement aux réflexions des uns et des autres. Je pense que nous allons pouvoir démarrer sur la deuxième partie de votre conférence. On est bien dans le temps imparti, c'est parfait. Les points que je vais aborder là, il y a quelques points qui sont en lien quand même avec c'est comment on fait pour la suite. Hein, parce qu'en fait, j'ai débordé. En fait, vous avez, il y a un point qu'on vient d'évoquer, c'est la question des. Va annoncer justement les questions des leviers. C'est l'impression que l'on a d'avoir un doute sur les finalités du travail social et de l'action sociale. Comme je dis souvent, c'est même d'ailleurs une question centrale. Quelle est la finalité du travail social? Quel est le sens? Mais quelle est la finalité? Et ne serait-ce que quelle est la finalité définie par le Code de l'action sociale? Alors, dans la loi du 2 janvier 2002, c'est très étonnant. Hein. En fait, il n'y a pas une finalité, il y en a deux. Je l'ai évoqué tout à l'heure. La finalité, c'est d'aider les personnes à exercer leur citoyenneté et donc favoriser leur autonomie. Mais si je me contente de tenir ce discours-là, je peux aussi abandonner les personnes à elles-mêmes. Comme on dit à un jeune, tu veux être autonome? Eh bien, tiens, voilà ton baluchon, tu te débrouilles. Donc, ça peut se traduire par un abandon des personnes à elles-mêmes. Et donc, le législateur a dit, il y a une autre finalité qui est la protection. La protection, elle a aussi un inconvénient, parce que je protège les gens, mais maintenant, je les protège contre eux, y compris par des mesures de justice, par des confinements, par des choses de genre. Donc, finalement, il y a ce doute, de la même façon que ça a été très fort dans les années 70-80, dans les générations, un doute sur qu'est-ce qu'on nous demande, en fait. On demande à contrôler les gens de les aider à résister face au monde qui leur est proposé. Donc, et dans ce cas-là, j'ai un positionnement plus militant. C'est la littérature de l'époque, des années 70-80, c'est l'éducateur est-il un flic? Donc c'est une interrogation vraiment typique. Là, on ne se posait même pas la question, puisque c'était donné comme étant une affirmation. C'était accentué, évidemment, par la pandémie.
Mais du coup, ce doute sur les finalités, il alimente un flou sur les conduites à tenir. Concrètement, comment je fais? C'est là où on va sur les questions des leviers, parce qu'on va voir comment. Mais quelque chose qui est très curieux, il y a, disons, il y a à la fois une demande forte d'autonomie. On se rappellera un rapport du CREDOC sur l'autonomie du travail social et du travailleur social et de la travailleuse sociale, une demande d'autonomie, et en même temps un sentiment de solitude. Et donc, la question qui va se poser derrière ça, c'est quel est le rôle de l'encadrement? Parce que s'il y a une décision, s'il y a un flou, alors, ce n'est pas que ça, mais il y a aussi quelque chose qui est, à mon avis, hein, qui n'est pas tout à fait bien utilisé. Mieux, c'est la question des recommandations de bonnes pratiques professionnelles que faisait l'ANES, mais que maintenant fait la Haute Autorité de Santé. Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles peuvent, en fait, elles sont quand même assez mal connues et elles ne sont pas encore tout à fait appropriées. Donc, d'où ça, du coup, ça me permet de faire finir la partie précédente. Ça a des effets qu'on vient d'évoquer sur le recrutement, puisque c'est des recrutements qui ne sont pas fondés que sur l'implication personnelle. Et puis, je dirais, ce qu'on appelle la crise de l'avenir déjà, il y a un certain nombre d'auteurs qui parlaient d'éclipse de la raison. La crise de l'avenir, c'est le sentiment d'une instabilité totale. Concernant d'ailleurs les recrutements non fondés sur l'implication personnelle, c'est une formulation sur laquelle on pourrait revenir, mais pour la formation, je dirais, là je prends 30 secondes, la casquette président de l'UNAFORIS, c'est un souci, parce qu'il y a deux types de cultures. Il y a deux types de cultures, y compris, alors, je ne sais pas comment c'est géré dans vos propres établissements de formation, mais c'est un vrai problème. Il y a une culture, je dirais, c'est une culture action sociale, qui met plutôt l'accent sur, par exemple, le code de l'action sociale et des familles, les valeurs. Et puis, il y a du coup, l'engagement est très important par rapport à cette culture d'action sociale. Et il y a une autre culture, c'est la culture de l'insertion. C'est la culture d'insertion qui fait que les entrées en formation, elles sont parfois accompagnées par Pôle emploi. Et du coup, les relations qu'un IRTS ou qu'un EFTS ou qu'un établissement comme la ITES de Brest, c'est à peu près, c'est la même chose. Hein. C'est comment je gère ces deux logiques dans lesquelles finalement je suis inscrit. C'est une logique de proximité avec les établissements et services, avec les personnes accompagnées, où là vraiment je suis dans la logique action sociale et médico-sociale. On accorde beaucoup d'importance à la relation aux personnes, etc. Et puis en même temps, j'ai un autre souci qui est plutôt, je vais le dire comme ça, parce que c'est pas très correct, mais l'employabilité. Comment je contribue en tant qu'institut de formation à l'employabilité des personnes? Alors, soit en appui avec la branche professionnelle, avec les partenaires sociaux, avec Pôle emploi, etc. Ou là, la question, c'est surtout d'aider des personnes à retrouver une place dans la société via le social. Donc, c'est vraiment à la croisée de ça. Il y a beaucoup d'interrogations. Marcel, quand vous ne parlez pas en face, on ne vous entend pas bien. D'accord. Comme j'ai mes papiers à côté, donc je suis un peu agité. Hein, donc, OK. Concernant la crise de l'avenir, c'est pour introduire un petit peu le deuxième élément qu'on a évoqué, et finalement, c'est comment on va se positionner. Alors, je passe à… Là, j'ai mis la troisième partie, les leviers possibles, mais c'est comment on essaie de se sortir de cette situation et comment on peut amorcer des pistes de réflexion. Alors, il y a des pistes… D'abord, il y a des pistes
discutable et discuté. Je vous renvoie pour les EJE à l'arrêté du 29 juillet 2022 relatif au mode d'accueil des jeunes enfants, où la réponse apportée au manque de personnel dans les structures de la petite enfance a suscité un débat, parce qu'on considérait que c'était une façon d'autoriser les personnels non qualifiés, ou en tout cas non diplômés, à exercer. Donc quand on parle des leviers, il y a des leviers, alors légitimes ou pas, possibles ou pas, c'est pas exactement la même chose. D'abord, bien sûr, l'amélioration des conditions salariales et statutaires, l'organisation. Pourquoi ? Pas simplement pour les beaux yeux des travailleurs sociaux. Non, c'est parce qu'il y a un élément fort qu'on rappelle souvent à une aphoriste, qui est que le travail social, c'est un investissement. C'est un investissement. Donc, ce n'est pas de l'argent qu'on donne comme ça pour, de manière charitable. Il y a une dimension politique dans cette affaire. Et je crois qu'il y a une évolution encore très incomplète et insatisfaisante. Mais il faut y comprendre que la question de la qualité de la vie au travail, elle a à voir avec le bien-être aussi des personnes que l'on accompagne. Donc, il y a un lien étroit. Et d'ailleurs, on dit, c'est un des points qui fait l'objet de débats également, on dit, puisque vous parlez de développement du pouvoir d'agir, il y a un développement du pouvoir d'agir des personnes accompagnées, qui est un des objectifs, mais cet objectif, nous ne pourrons le réaliser que si les intervenants sont eux-mêmes reconnus dans leur pouvoir d'agir. Donc là, on est sur la symétrie entre les deux. Moi, il me semble que, en fait, puisqu'on parle de la question du sens, c'est qu'il y a un point qui est quand même très important, et je trouve qu'il est sous-estimé dans beaucoup d'établissements et dans beaucoup de services, et donner priorité aux valeurs. Et quand on dit les valeurs, c'est les valeurs démocratiques. Et en particulier, on fait comme s'il n'y avait pas de problème. Mais si, il y a un problème. Il y a un problème d'impact encore aujourd'hui, d'options qui sont à l'opposé des options démocratiques, hein, avec des formes de dogmatisme, voire de radicalisme, y compris chez les travailleurs sociaux. Là aussi, il faut être quand même aveugle pour ne pas voir que le travail social n'échappe pas au débat qui existe aussi dans la société. Mais si on se réfère en tout cas à ce qu'avait été l'objet de la loi du 2 janvier 2002, ça veut dire aussi revaloriser la notion de projet. Alors là, quand des stagiaires vont dans un établissement ou dans un service, on dit à chaque fois que c'est important de demander le projet, de voir quand est-ce qu'il est discuté, comme le dit la loi, tous les 5 ans, etc. Ce qui est frappant, c'est que bien souvent, il n'est pas investi par les structures, ou en tout cas, s'il est investi, il n'est pas toujours investi dans une dynamique participative. D'ailleurs, un des points noirs, je pense, du secteur, déjà autour de la question si discutée de l'évaluation, c'est le défaut de participation des personnes accompagnées à l'évaluation de l'activité des structures. On tourne autour du pot. D'ailleurs, on avait avec, je pense à Carole Le Floch et puis aux gens du CNPA, hein, aux personnes accompagnées elles-mêmes, quand on a travaillé sur un kit de la participation, non seulement on a demandé à ce que les personnes accompagnées soient associées à l'évaluation des activités, mais on a demandé aussi que la participation, elle fasse elle-même l'objet d'une évaluation. Ça n'a pas été vraiment retenu. Donc, ça veut dire qu'il faut valoriser les ressources et les contributions du travail social, mais dans un sens qui est nouveau aussi. C'est ça qui fait que c'est difficile pour beaucoup de travailleurs sociaux, je dirais, dans une option inclusive, dans l'idée d'aller vers une société inclusive. Donc, ça veut dire donner une plus grande place aux projets innovants, avec un ancrage dans la culture, par exemple, parce que on n'attire pas des personnes pour venir uniquement trouver un emploi dans une organisation très bureaucratisée. Non, il faut qu'il y ait de l'aération, il faut qu'il y ait de l'innovation, qu'il y ait une place pour la réflexion sur les pratiques, et de l'aération, la créativité, etc. Et puis, ça suppose comme on l'avait écrit pour le Conseil supérieur, de refonder le rapport aux personnes, donc renforcer les alliances, renforcer les coordinations, etc. Tout ça, ça a été énoncé à l'occasion des états généraux du travail social, et les 5 rapports qui avaient été faits à l'époque restent encore d'actualité. Donc ça, c'est vraiment central, et je dirais que
pour moi, enfin bon, maintenant je suis plus dans les jurys, donc rassurez-vous, mais si j'étais quand j'étais dans les jurys de diplôme d'État ou du CAFDES, etc., c'est vrai que un mémoire dans lequel la question des valeurs, la question du projet n'était pas abordée, évidemment, ça ne pouvait que mal se passer, parce qu'on veut dire, non, votre truc, c'est sympa, mais c'est une monographie, et l'intérêt, il est quand même, entre nous, assez réduit, quoi. Donc, il faut donner une certaine ampleur à ce type d'approche. Je crois que ça suppose aussi, alors, de tenir compte de ces nouveaux acteurs. On a parlé, je l'ai évoqué, les personnes accompagnées, mais aussi c'est la question de la pair aidance. D'ailleurs, les personnes accompagnées, en général, se branchent ensuite sur la pair aidance. C'est le cas de Carole Le Floch avec l'ouvrage que je signalerai tout à l'heure. Donc, c'est réinvestir la notion de confiance, c'est créer les conditions d'une adhésion, et d'une adhésion aussi à des discours qui ne soient pas des discours purement démagogiques ou idéologique. Ensuite, il y a la question de l'accès aux formations. Parce que, alors là, quand je parle des formations, je parle à la fois de la question des formations initiales, des formations tout au long de la vie, des formations supérieures. Et il y a un élément, si vous voulez, qu'on voit arriver assez vite. Ce n'est pas uniquement la question de... des conditions financières de l'accès aux formations qui peut être un obstacle, hein. C'est pas que ça, c'est aussi les perspectives que les formations peuvent ouvrir. Et comment on peut enchaîner des formations initiales d'abord par des systèmes de passerelles, quelle place et quelle importance on va donner à l'apprentissage, mais aussi à la validation des acquis de l'expérience. Donc c'est enrichir les contenus de formation dans des logiques de parcours, et puis en fait c'est aussi ouvrir des perspectives. Alors, des perspectives, ça peut être les ouvrir en avançant, je dirais, dans une carrière professionnelle, en passant des diplômes d'État, puis le DEIS, le CAFDES, le CAFERUI, etc. Mais c'est aussi l'ouverture sur l'enseignement supérieur. Et là, c'est un vrai sujet sur cette question-là. Vous avez sans doute vu que dans le, à la fois c'est dit dans le livre vert du Haut Conseil du Travail Social, mais c'est encore plus nettement affirmé dans le récent rapport de l'IGAS, de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, avec cette idée de la création d'une discipline. En fait, on est quand même en décalage. Alors, j'évoquais la situation franco-française, on est en décalage avec ce qui se passe beaucoup à l'étranger. Et c'est pour ça que j'ai mis accès aux formations, si on pense aux formations supérieures et aux formations de l'enseignement supérieur, ça permet soit des formes de codiplomation, d'avoir une double certification, comme ça se fait déjà beaucoup, hein, on peut passer, mais c'est autre chose que le grade, c'est ça que je veux dire. C'est pas parce que je fais mon diplôme d'État d'éducateur spécialisé ou d'assistant de service social et on me colle un grade de licence que non, il y a un vrai problème. C'est pas la question du grade, c'est la question de la licence elle-même et du master et du doctorat qui se pose. Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, à voir avec ça, c'est la question du développement de la recherche. Alors, faut bien comprendre que ce n'est pas uniquement pour dire ça va être valorisant de dire je suis chercheur, je participe à une équipe de recherche. Non, ce n'est pas la question. La question, c'est qu'il y a du méconnaissable dans notre secteur. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Alors, il y a deux choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît même pas bien, où on est en déficit de connaissances. C'est d'abord par rapport à des phénomènes sociétaux nouveaux et très complexes. Donc, c'est la question des publics. On est très loin de comprendre. Notamment, il y a un truc, on a toujours pensé qu'il y avait des distinctions qui tenaient la route, protection de l'enfance, handicap, pauvreté, précarité, addiction, l'âge, etc. Alors qu'aujourd'hui, on découvre, et on ne peut pas le découvrir, mais on commence à tenir compte des croisements de problématiques.
quand les rapports ces dernières années sont sortis, sur dire, mais comment ça se fait que 25% des enfants qui sont dans les structures de protection de l'enfance ont une notification de la maison départementale des personnes handicapées? Comment se fait-il qu'on ne tienne pas compte suffisamment du niveau de pauvreté, on parle de protection de l'enfance, mais des enfants leurs parents ou des enfants avec une famille monoparentale sont à l'hôtel dans des conditions désastreuses, etc. Donc, il y a la question de l'hybridation des publics. Ça, c'est le premier volet sur la recherche qui doit être développée. Et puis, des recherches collaboratives et participatives. Ça a été fait pas que par ATD Carmonde, mais avec d'autres aussi. Et puis, un deuxième objet de la recherche, c'est le monde professionnel lui-même. Parce que souvent, ça se réduit à l'affirmation d'identité professionnelle. Mais ce n'est pas que ça le problème, c'est de savoir les pratiques, c'est quoi? Quelles sont les pratiques d'accompagnement? Comment évoluent ces pratiques d'accompagnement aujourd'hui? Et là, on est aussi dans quelque chose qui n'est pas tout à fait, au point. Le cinquième point, c'est la question, alors j'utilise le gros mot, hein, du management, parce qu'en fait derrière, c'est la question du cadre. C'est, alors, ce n'est pas la question de l'exercice d'un rapport d'autorité que j'ai en tête seulement, c'est que dans le management d'aujourd'hui, il y a au moins deux choses qui doivent être renforcées, parce que la baisse d'attractivité, elle joue aussi pour les cadres, hein, faut pas se leurrer. Hein. Les gens n'ont plus tellement envie d'être chef. Hein. J'ai connu une équipe de prévention spécialisée, ils étaient quatre, pratiquement les quatre, ils avaient tous un CAFDES ou un master. Hein. Mais surtout, ils voulaient pas devenir chef. Ils étaient très bien où ils étaient comme ça. Et ils faisaient un excellent travail. Mais il y a au moins deux points dans le management. C'est d'abord la question de la prise en compte de l'inscription dans un environnement. Donc, tout à l'heure a été évoqué le développement durable. C'est la question à travers la RSE, hein, de la responsabilité sociétale des entreprises. On parle de responsabilité sociétale des associations, enfin, peu importe le vocabulaire qu'on va utiliser. Mais c'est se préoccuper de ça. C'est pas uniquement des équilibres budgétaires, mais aussi de l'impact, enfin, des échanges, hein, réciproques avec l'environnement. Donc c'est développer une logique de projet en lien avec des objectifs d'inclusivité, ou en tout cas d'ouverture sur le monde extérieur. Ça veut dire faire rentrer l'extérieur dans l'intérieur et surtout sortir. Hein, je disais souvent, les directeurs et les directrices, les cadres qui restent sans arrêt dans l'établissement, à mon avis, bon, ça peut être des bons intendants, mais ce n'est pas des bons ou des bonnes directeurs ou directrices. Donc, il y a cette espèce d'ouverture. Et puis, il y a d'autres aspects aussi qui tient à la question, c'est pas éloigné d'ailleurs, d'autres aspects, c'est la question des coopérations et des coordinations avec d'autres, avec ce qu'on appelle les parties prenantes. C'est les alliances que l'on fait. Donc, c'est pas uniquement l'ouverture sur l'environnement social ordinaire, c'est aussi la consolidation des formes de coopération, alors en interne et en externe. Il y a un gros mot, vous entendez, qui a d'ailleurs été rappelé ces derniers temps par Marianne Monchamp pour la CNSA, ce qu'on appelle le Burzorg. Enfin, c'est pour dire qu'il y a on a parlé de lean management, bon, il y a différents courants, hein. Ce n'est pas le lieu d'en parler, mais en tout cas, il y a des inspirations que l'on peut avoir avec certains courants par rapport à ça. Et puis, un sixième point, c'est de travailler sur l'image. Il y a eu dans le passé une plaquette de l'ancien Conseil supérieur du travail social, et là, il y a un paradoxe sur lequel il faut vraiment évoluer. C'est un paradoxe qui a été soulevé par une étude que Nexem a fait avec l'IFOP, donc l'organisme qui observe finalement la façon de penser de la population. Et alors, ce paradoxe est le suivant, c'est que le travail social, d'après cette étude, hein, on peut en discuter, il a une très bonne image dans la population générale. Bizarre, mais parce que des fois, il a été plutôt soit ignoré, ou soit vu avec
une certaine ironie. Hein. Je pense au film des Charlots, sur la façon de présenter l'éducateur, qui était une façon de les ridiculiser. Mais aujourd'hui, le travail social, il a une bonne image dans la population, mais par contre, il a une mauvaise image chez les candidats potentiels à l'exercice professionnel, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et ça, c'est quand même, je suis d'accord pour partager sur ce mystère. Alors, on pourrait dire, s'il a une bonne image dans la population générale, c'est qu'en fait, ils ne savent pas ce que c'est. Ce serait une hypothèse fâcheuse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut travailler sur cette image. Et ça a été, vous avez vu ces dernières années, l'évolution considérable et le travail considérable qui a été fait concernant l'image du handicap, une évolution très nette, avec différents moyens, mais c'est le handicap maintenant est rendu plus visible, y compris par les moyens télévisuels, etc. Pour le travail social, c'est encore un peu flou. Il faut dire aussi que pour arriver à le comprendre, hein, l'abus des sigles et des approches extrêmement sophistiquées, si vous voulez, même si on peut le comprendre, hein, quand vous parlez des TISF, etc., mais est-ce qu'on réalise le jargon qu'on utilise nous-mêmes? Donc ça, c'est vraiment un problème. Bref, en conclusion, après on va changer un peu dessus, finalement, la question c'est quoi cette crise? Alors là, il y a plusieurs hypothèses, je ne mets que des points d'interrogation, parce que même si je vais plutôt aller dans un sens, d'abord, il y a cette idée que finalement il n'y a rien d'original, au sens où c'est une dimension qui est consubstantielle au travail social, historique, à savoir que le travail social, il est né fin 19e siècle, et il s'est développé dans des contextes de crise. C'est d'ailleurs la thèse que développe Michel Hottès, disant qu'il n'y a pas de... C'est vraiment inscrit dans les gènes du travail social. De ce point de vue-là, on pourrait considérer effectivement que c'est une crise endémique qui sévit de manière permanente. Alors, c'est quoi une crise endémique? Ça peut être une crise rampante. Une crise rampante, c'est-à-dire que, à la différence d'une crise qui fait par saut important, c'est finalement crise rampante, c'est la question des institutions, c'est la question des maltraitances, c'est le doute sur la qualité, c'est tout ce qui nous empoisonne avec, on l'a vu avec Orpea et d'autres organisations. Il y a une crise de positionnement, oui, je ne reviens pas trop sur le doute sur les finalités autonomie et protection. Il y a un mélange, si vous voulez, entre la dimension compassionnelle et une dimension d'expertise. Et on a besoin sans doute des deux, expertise et professionnalisation. C'est sans doute aussi une crise qui est liée à des contraintes économiques, etc. Et de ce point de vue-là, une crise irruptive. Et là, quand j'évoquais les nombreux rapports qui sont sortis entre décembre 2021 et on va dire juin 2022, il y a vraiment l'impression d'une crise qui fonctionne avec des répliques, comme on va dire pour des explosions volcaniques. J'évoquais 2005, 2022, et entre les deux, il y en a quelques-unes. Ce qui serait un peu gênant, j'utilise un peu le vocabulaire médical, c'est un choc anaphylactique pour le travail social, au sens anaphylactique, comme vous le savez, c'est une réaction allergique exacerbée qui entraîne en général de graves conséquences et pouvant engager le pronostic vital. Donc, la question, on peut se la poser, c'est-à-dire qu'on va vers quoi? Et parfois, vous l'avez suggéré d'ailleurs en évoquant l'entrepreneuriat social, il peut y avoir des dérives libérales, etc. Bon, alors, ceci dit, il y a un effet de masse qui fait que je ne pense pas qu'on y aille. Mais quand on dit, je termine là-dessus, que finalement, c'est la position de certaines études avec un chiffre extrêmement discutable et qu'on donne, 1 200 000 travailleurs sociaux. Quand on dit le travail social, c'est 1 200 000. Ce n'est pas 1 200 000 travailleurs sociaux complets, mais dans ces 1 200 000, il y a beaucoup
Il y a les assistants familiaux, les assistants maternels, même à titre non permanent, donc, etc. Donc, il y a plein de monde. Hein. Pas toujours des diplômes d'État, bien entendu. Mais sur le 1 200 000, vous avez, à la grosse louche, 40 000 assistants de service social. Vous avez 90 000 éducateurs spécialisés. Donc, et quand on voit l'évolution des courbes, évidemment, à un moment donné, on peut se poser la question. Et on peut se poser la question de ce qui se passerait si, pour des raisons politiques diverses et variées, on considère que les intervenants sociaux faiblement diplômés, avec des formations style premier secours, ne suffiraient pas, plutôt que d'avoir des diplômes d'État formés en 3 ans, avec un statut consolidé, etc. Donc, en tout cas, la question, elle mérite d'être posée. Donc, c'est à la fois, il ne faut, faut pas trop en avoir peur de ces questions-là, mais il faut quand même être assez vigilant. Voilà. Alors, peut-être on peut échanger sur ces derniers points. Très bien, tout à fait. Le temps de l'échange est, est arrivé. Merci beaucoup, Marcel. Merci pour ces différentes pistes mises en perspective qui donnent envie. D'autres paraissent encore aujourd'hui bien, bien complexes. Merci peut-être surtout de bien mettre les choses en tension. C'est pas l'un ou l'autre, c'est pas voilà, on est vraiment dans vos propos, dans une recherche du point d'équilibre et non pas dans quelque chose qui s'opposerait où il faudrait forcément qu'il y en ait un à conserver et pas l'autre. Bon, c'était le cas par exemple sur l'ESS et le travail social, mais je pense que les questions de nos participants vont permettre d'y revenir. Alors, pour le moment, j'ai trois pistes de questions là. Une autour de la reconnaissance de la spécificité du travail social. Peut-être qu'on peut en mettre deux l'une avec l'autre là. Pourquoi finalement ne pas reconnaître la spécificité du travail social en tant que tel et s'opposer à une logique marchande, à son inscription en tous les cas dans une logique marchande? Est-ce que ce ne serait pas ça qui nous permettrait véritablement de se baser sur les valeurs propres du travail social, sur les finalités, et donc en être fier et porter vraiment cette dimension-là. Première question, alors ça fait peut-être écho à la question très très large de Chloé. Pensez-vous que cela va s'apaiser dans les quelques années suivantes? Bon, je ne sais pas si vous avez des pouvoirs de devin. Et puis, une remarque de Louis. Pourquoi utiliser des références de syndicats employeurs, Nexem, Access, etc. Hein, voilà, on voit que ça frotte là encore sur ces questions-là et c'est important d'y revenir. Et une dernière là autour de la recherche-action, participation. Ne serait-ce pas là justement de faire sens et de développer les coopérations pour que les employeurs reconnaissent un temps nécessaire à la recherche-action pour tout professionnel en travail social, associer bien évidemment dans ces recherches-actions les chercheurs, les professionnels, les équipes formateurs travail social, les étudiants, les personnes concernées, comme étant finalement un processus nécessaire de formation continue. Voilà ce que je peux dire pour le moment par rapport aux remarques. Merci Marcel. Oui, sur le premier point, sur la spécificité, oui, quand j'ai évoqué la question de la création d'une discipline, c'est dans cet esprit-là. Et c'est parce qu'on pense que ça permet de ne pas être uniquement sur le terrain des valeurs, mais aussi d'être sur une reconnaissance plus forte, parce que ça permet de considérer qu'il y a une légitimité du travail social, à la fois comme un champ d'exercice professionnel, mais aussi comme un espace de discours et de production de connaissances.
Et donc, pour ça, d'ailleurs, la première question, elle va avec la dernière concernant la recherche-action, parce que c'est ça, que, de la même façon, d'ailleurs, que dans le secteur, vous avez fait une conférence de consensus sur la recherche, certains sont plutôt sur la notion de recherche en travail social, donc c'est une façon de dire qu'il y a une spécificité de la recherche en travail social, d'autres étant plutôt dans cette idée que le travail social peut être un objet de la recherche, mais notamment de la recherche sociologique. En fait, c'est vraiment des nuances, mais sur la spécificité, oui, affirmer la différence avec la logique marchande, oui, bien sûr. Ce n'est pas la même chose, si vous voulez, que de dire qu'il y aurait des valeurs propres au travail social. Par exemple, quand j'étais formateur, j'avais vu une... Ce n'est pas un jeu, mais enfin, disons qu'aux épreuves du diplôme d'État, ce n'était pas un piège, mais vraiment. Donc, la question était souvent posée, c'est de dire à des candidats au diplôme d'État, quel est le texte sur lequel se fonde votre action? Et en fait, et aujourd'hui, ça serait la tendance générale, c'est de dire le texte sur lequel se fonde mon action. Bon, alors... Si je travaille dans un secteur comme la protection de l'enfance, ça veut dire sur la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, souvent, où on disait c'est la loi du 2 janvier 2002, ou c'est la loi du 11 février 2005, etc. Ou ça peut être le décret 2017 sur la définition du travail social. Et à chaque fois, le jury disait non, c'est pas ça. En fait, ce sur quoi se fonde votre action, c'est la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, c'est la Convention. Donc, votre action, elle se fonde sur le droit commun. Et du coup, il y a un débat, c'est-à-dire que ça, c'est une vraie question difficile. Est-ce qu'il y a des valeurs propres au travail social? Et alors, à la fois, je veux dire oui, puisqu'il y a quand même les apports d'une certaine façon, tous les travaux du Haut Conseil du travail social contribuent à alimenter des valeurs propres au travail social. Mais c'est un choix. Il y a eu une époque, alors pour ça je dis on est dans une époque post-2002. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une époque où on disait travail social égale établissement et service. Aujourd'hui, l'époque dans laquelle on rentre, c'est l'époque société inclusive. Hein. Si je joue la carte de l'inclusion, et si je continue à dire qu'il y a des valeurs propres au travail social, là, il y a un sujet. Donc, c'est un sujet de débat. Donc, moi, là-dessus, je suis un peu partagé. Donc, mais je crois qu'il faut éviter d'alimenter un discours corporatiste là-dessus. Parce que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Sinon, on croit qu'on sort de logique, mais en fait, on est en... Alors, j'entends bien, par contre, qu'il y a des dérives possibles et inquiétantes sur des logiques marchandes. Mais voilà, donc l'idée de discipline devrait nous permettre de resserrer les liens. Est-ce que ça va s'apaiser? Non. C'est un monde professionnel qui est très, très divisé aussi. C'est qu'on a du mal, parfois d'ailleurs, à avoir des échanges pacifiés sur ce genre de questions. Savoir. Dans un sujet, hein. On est comme une société démocratique, on a le droit d'être en désaccord. Et parfois, les désaccords, ils prennent des tours un peu trop virulents, à mon avis. Ce qui m'amène d'ailleurs à la question est tout à fait pertinente concernant Nexem et les syndicats d'employeurs. Alors, pour distinguer le fait qu'il y a des études qui sont portées par Nexem parce qu'ils ont financé, etc. Et bon, l'Unaforis, par exemple, est adhérente à Nexem, et la question de l'emploi se pose. Et en même temps, on a fait venir des syndicats de salariés il n'y a pas longtemps lors d'une journée réseau de l'Unaforis, parce que ce qui nous intéresse, c'est les acteurs de la formation. Les acteurs de la formation, ce n'est pas que les employeurs. Charge finalement aux syndicats de salariés aussi à développer leurs propres études et les financer en général. Par la branche professionnelle, on a des études de terrain. Et en réalité, ce qu'il faut se dire, c'est que, en fait, on a un problème
de double attractivité. Il y a le problème de l'attractivité des institutions, des métiers, mais il y a aussi la question des offres faites par les employeurs. On est, là encore, on est toujours dans ce que j'évoquais, une logique d'action sociale. Et de cette logique d'action sociale, je ne vois pas pourquoi je donnerais une place aussi importante aux employeurs. Et en même temps, j'ai une logique emploi. Parce que la professionnalisation, elle se fait à l'intersection des deux éléments. S'il y a professionnalisation, il y a emploi. Donc, je ne peux pas dissocier ça des questions. La vraie réponse a été apportée d'ailleurs par le Haut Conseil du Travail Social, puisque le groupe sur la formation est animé conjointement par un représentant Nexam et un représentant de la CGT. Donc, on est sur le couplage, finalement, dans la référence au paritarisme. Mais votre remarque, elle me paraît tout à fait… Concernant la recherche, dans un passé relativement récent, on a beaucoup mis l'accent sur la recherche action, donc qui se faisait entre des chercheurs professionnels et des professionnels de l'action sociale. Aujourd'hui, on ne parle plus trop de recherche-action, parce que la partie ne se joue pas à deux, elle se joue à trois. Puisque s'il y a des savoirs expérientiels, ça suppose d'associer les personnes accompagnées à des actions de formation. Donc, on va parler plutôt de recherche participative ou de recherche collaborative. Ça, c'est l'avenir, effectivement. Et on va retrouver cette idée de la spécificité du travail social dans sa capacité à faire alliance, à faire des alliances, mais à ne pas rester à deux, quoi. On avait fait un colloque une fois à Montrouge sur on avait le sous-titre c'était mariage d'amour ou mariage arrangé. Alors, je n'ai pas plaidé ici pour le mariage à trois, mais on voit que il faut sortir des cadres de pensée un peu anciens, quoi. Il y a vraiment une période nouvelle qui se dessine et les personnes accompagnées ont une place tout à fait importante qui va, je crois que quand vous dites ça va s'apaiser, oui, ça s'apaisera au fur et à mesure de l'avancée justement et des personnes accompagnées et du développement du pouvoir d'agir. Donc, j'ai plutôt un tempérament optimiste. Donc, là, finalement, je vais dire oui. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ce mot de conclusion finalement très optimiste. Très bien. Ça donne envie et on va poursuivre et la formation et les recherches participatives et bien évidemment le développement d'innovation, d'adaptation, de créativité qui ne manque pas aux professionnels du travail social. Nous avons un prochain rendez-vous, on va peut-être terminer avec cette invitation. Donc aura lieu le 10 mars, un webinaire. Je laisse Pascal en dire un petit mot puisque ce webinaire sera co-animé avec Pascal Lecor de l'ITES et Cécile Paco d'Ascoria Lorient. Voilà, on sera sur la question de l'aller vers dont on a parlé tout à l'heure, effectivement, hein. D'aller vers dans l'accompagnement social et on va venir interroger effectivement cette dimension d'un petit peu hors les murs, mais c'est aussi comment faire face aux situations de décrochage social, dans aussi réduire le nombre recours au droit, dont tu as parlé tout à l'heure, Marcel. Voilà, on va partir sans doute d'une beaucoup aussi d'expériences régionales qui se sont menées sur le plan local, mais aussi d'une réflexion effectivement sur cet aller vers. Voilà, comment est-ce qu'il va venir aussi apporter qui n'est pas inexistant dans le travail social, hein, mais qui voilà la réflexion autour de tout ce qu'il y a dans cet enjeu de l'accompagnement social. Le 10 mars. Voilà. Prochain rendez-vous. Merci à tous et à toutes pour vos participations. Merci particulièrement à vous, Marcel, pour la richesse de vos propos et voilà, de nous permettre de continuer à penser les choses de manière complexe. Bonne suite de journée. À tous et rendez-vous au prochain séminaire ou avant, avec plaisir. Ok. Merci bien. Au revoir. Bien. Bonne journée. Merci. Au revoir.